Et yo les gens, c'est Oura, j'espère que vous allez bien, moi pour moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on va continuer l'émission de Urk. Parce que dans la dernière épisode on avait fait la première mission, elle était dans l'Himalaya chez une statue de singe. Donc là on va aller le voir, 125 mètres. Ce que je vais faire c'est que je vais vendre mon butin là. Ok, ma note. Faut que je fasse mourir maintenant. Non bon, je suis enculé, wow. Voilà. Donc non, dégage la gueule. Juste dégage. On va aller voir Urk. On va faire les... Je crois qu'il y a trois missions, hein. Je suis pas sûr. Allô? C'est bien AJ? Ouais. Cade. Urk, c'est moi, tu veux quoi? J'ai voulu choper une autre statue et... je crois que je me suis fait choper. Enfin non, je crois pas, ils m'ont vraiment chopé. Faut que tu viennes me sortir de là, mec. L'armée me tient. Comment t'arrives à m'appeler? Bongo 2. Ben ouais, je l'ai upgradé. Maintenant, il fait aussi radio. C'est genre radio singe, mec. C'est le type qui passe tous les tubes. Oh, merde, ils m'ont vu. Ok. Et bon, on va devoir aller dans un avant-poste, je pense. Très sincèrement. On va aller dans un avant-poste, parce que sinon... je vois pas où est-ce qu'il serait pris au piège. Déjà dans un endroit où il y a des gardes, etc. Ah, il y a une voiture. On va réquisitionner. Ok, d'accord, donc ils m'ont foutu avant. Merci, les sentiers d'or. Non, c'est bon, là. Bon, juste à côté. C'est comme une grosse zone, hein. Sérieux. Localiser Urk. Donc... Urk est au milieu. Urk est pile là. Sérieux ça? Oh putain. Et donc, on est ici là et par contre, je crois que c'était type de mec. Voilà. J'espère que les trois missions sont aussi. J'espère que la mission est déjà pas finie parce que sinon. Et non mais. Mais hé. Hey, mon frère. Aïe, t'as buté les méchants. Viens par ici, je crois que j'ai une idée. Tu veux sauver tous les animaux? Non, juste un éléphant. C'est symbolique, au poids. J'en sauve un, et c'est comme si j'en sauvais plein de plus petits, non? Un éléphant, ça vaut genre facilement 500 à 600 singes. Yes. Si t'as le tout comme tu sais bien le faire, j'irai le libérer. On arrive par le nord. Oh. Ah, je m'en doutais. Sincèrement. Donc je vais prendre. Bon, alors. Oh, tu as fait flipper mon grand. Je peux le balancer d'armes. J'ai vraiment cru que j'allais faire une connette. Ça sert à moi. Donc toi et moi, on monte sur Jumbo 2 et on se tire à arme au poing comme des touristes des éléphants. Jumbo 2? On parle jamais de Jumbo 1, jamais. J'espère juste qu'il est dans un meilleur cirque. Hein? Allez, je conduis, tu canardes. Comme deux frères, ouais, on assure. Ok. Ah d'accord. Ah, il est comme ça le mec. Tu vas être un genre de l'aider. Allez.
Les musiques en change sont pas mal. Les cœurs. Tu sais quoi, y en a marre. Ok, ça va. Ouais, fais gaffe à la barbe sur mon cou. Non, tu connais, mec, cet éléphant, il a deux trous du cul, deux bites et quatre couilles sur le dos, et toi, tu te plains pour un pénis. Je parlais pas de ton pénis, c'est... C'est ta barbe, elle pique. Fais gaffe à mon cou. Oh, pardon, mec, pas de problème. Ma bite te dérange pas, alors? Ça aussi, range-le. Oh, d'accord. Moi, je comprends les éléphants. Les équipes. Changement de plan, mec. C'est sérieux? Je tire au volant et moi, je te soutiens moralement. Parce que j'aime pas trop salir les peluches. C'est complètement parti en couille. On est d'accord. C'est sérieux? Petite surprise, des bastos. Oh, c'est sérieux comment j'ai. Oh. C'est un éléphant, c'est sympa. Alors, on va où comme ça? Je croyais pourtant que tu savais. Continue tout droit, je crois. Tu te crois? Je fais rien qu'une déduction, mec. Je suis pas un putain de... Regarde, t'as vu l'éléphant? T'as vu l'éléphant? Et boum! Tu vois plus l'éléphant. Oh non. En plein d'autres, mon pote! On va par là. Ah mais... Moi je fais mes points d'XP hein, les gens. Ouais, je sais. Non mais... Je vais monter par là pour aller par là en fait. Le jeu peut être teubé des fois. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ça. Ah là là. Ah ok, on reprend du début. C'est sérieux. Toi, dégage. Toi, dégage. Allez. Il t'a menti, l'éléphant. Ah, il est pas mort. Si, je pense. Oh, dis donc, méchant droit devant. Bonsoir. Aïe. Ah merde. Ah putain. Le pire, c'est que je savais qu'il y avait un truc comme ça dedans. Ah putain. Naise. En vrai, il faut que je meurs. Ouais. Je crois qu'on mette un compteur de mort. Et dans la dernière épisode, on va faire un truc spécial. Oui, voilà. Bon. On recommence. Oh, dis donc, méchant droit devant. Merci. Petite surprise, des bastos. Voilà, bon, allez. C'est fun l'éléphant, mais... Alors, on va où comme ça? Je croyais pourtant que tu savais. Continue tout droit, je crois. Moi, je fais rien qu'une déduction, mec. Je suis pas un putain de GPS. Ah, j'ai pas entendu utiliser ça. En plein d'autres, mon pote. S'il se retourne et qu'il vient sur moi, j'aurais plus un éléphant. Tiens, des bastons, ça est assez paré. What the fuck, l'éléphant, comment il a grimpé? Il fait des sauts de cabri, le truc. Regardez cet éléphant. La violence de ce truc. Oh putain quoi.
crois que vous apportez un secours à vous de moi. Excusez-moi. Les mortiers ? Qui tombe en cyclon ? Les mortiers, c'est un tir de mortier. Eh. Juste libère un otage, y'a rien. Les en bon usage. Toi, on monte, mec. La statue de singe est genre dans une grotte. Violence de ce truc. En plein d'autres, en fait. Ah, ils me suivent. Viens aller chercher cette statue en fait. Et c'est heure fait entrer du temps. Bon voilà. Deuxième mission accomplie. Oh, je suis tombé sur le sacrum. On mourra pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Des docteurs peut-être ? T'es qualifié pour dire à un mec qui mourra pas après être tombé d'un éléphant sur son putain de sacrum ? T'en sais rien ! Oh, il faut que je marche pour que ça passe. Oh, ça fait mal. Oh putain, j'ai le fion en marmelade. Oh, ça va mieux en fait. T'as raison, je vais survivre. Ah ouais, ça va finalement, tout va bien. Bon, c'est vrai, j'ai un peu dramatisé. Un peu con quand même, ce mec. C'est peut-être pas un peu, hein. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Je fonce à la statue. Eh mon pote, je crois que tu vas passer un sale quart d'heure. Tuez-les tous. Ah oui, d'accord. Ah, je profite que j'ai un éléphant. Merci BDE, Vino, c'est gentil. Alors Rino il m'aide. Combo. C'est pas déjà fini, mais on va aller voir. Non, c'est pas fini. Encore des gens abusés. C'est un sale combo quand même, les plus tôt. Ah, tu sais, j'ai une longueur d'avance avec les éléphants, mais pour les singes, il va falloir que je leur témoigne un peu plus d'affection. Les singes sont évolués, d'accord ? Eh oui, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la planète des éléphants, Jungle Kong ou l'armée des 12 pachydermes. Tous les chemins mènent aux singes, mec. Je vais trouver la dernière statue, et puis après, on va leur faire une sacrée fête à ces connards, ok ? Ok, il est fétichiste, je obligé. Je savais que tu dirais oui. Super, mec, toi et moi. On est connecté. Bon, on va faire la dernière.
Allez, parce que je suis chaud, on fait la dernière. Urk. Oui. La dernière mission de Urk. J'aimerais bien la voir. Très sincèrement. Je crois en putain de fusil à harpon. C'est fait exprès la mort, hein, sérieux. MDR, pas du tout. Oh là là, sérieux. Alors bon. Une prochaine mission, elle est où? Longinus. Et là, c'est mission santé d'or. Il n'y a pas Urk. C'est vraiment sincère. Ok. Eh ben, on va aller devant chez Longinus et on va se laisser là. Donc voilà. J'espère que les parutions plutôt, sans un terme français, vous conviennent. Parce que je compte rester sur un format pour les let's play de mon côté, pour mon format, ça va rester genre... comment expliquer ? Une vidéo tous les mercredis. Comme ça, vous aurez du contenu. Et puis, voilà quoi, enfin... C'est comme ça que je vais procéder. Dites-moi ce que vous voulez, parce que je sais pas, mais je pense que je approche de la fin du jeu, parce que je suis à 50%. Je suis à 50% du jeu, donc je pense à qu'on est 50% du jeu. Donc dites-moi ce que je vous propose. Dishonored, deuxième jeu. Franchement, il est vraiment super bien ce jeu. Je vous propose. Donc voilà. Allez. C'était Aura, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. Et puis voilà. Allez, à plus souvent.